Avance. T'as compris? Allez, 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 avec les autres. Avancez. Grouillez-vous, paresseux. Debout. Allez, monte là-dedans. Allez, monte, vas-y donc. Allons. Allez, dépêchons. Allez, plus vite que ça, j'ai dit. Rappelez-vous. Le destin de mon peuple a toujours été de lutter contre la tyrannie des cruels dictateurs qui l'ont dirigé. Depuis que Nebuchadnezzar a créé le dieu suspendu à Zambabion, plusieurs d'entre nous ont tenté, bien que nos efforts s'avéreront peut-être futiles, d'apporter un peu de paix sur notre territoire déchiré par la guerre. Mais nous tremblons, car il est écrit que le mauvais ange fera tomber le grand ego sous les griffes de son ambition. Et que le monde entier se retrouvera sur le point de n'être plus rien d'autre qu'un soupçon de vapeur dans l'univers. Le secret, messieurs, est dans la précision et dans la portée. Dans l'équilibre des forces, bien sûr, et dans la puissance. Sous peu, vous envahirez le Kirifistan. Et les infidèles américains, comme des idiots, viendront les aider. C'est exact, Kibi. Et alors moi, Omar Habib Tufuti, moi, votre président à vie, je deviendrai le chef de tous les vrais croyants quand l'aigle américain tombera enfin de son perchoir. Mais un homme viendra de l'Occident pour mener la résistance et humilier tous les tyrans de la Terre. Permettez-moi de vous parler de la prophétie du grand guerrier américain. Oh, bonjour, monsieur Warrell. Vous regardez une chose trappe brillamment imaginée par le malveillant et dangereux Baron Von Titeless. Un beau champ de mines, mais que ce diabolique génie a déguisé en balle de golf de jardin très ordinaire, ou Sphericoli Golfus Alveolis. Votre mission sera, si décidé de l'accepter, de débarrasser le monde de cette menace et de rendre ce gériatrique passe-temps sûr à nouveau pour toute l'humanité. Ma voix s'auto-détruira dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Maintenant, je déclare les jeux ouverts. Ouais, encore une journée sur cette terre. En voilà une. Et une autre. Allez, à droite. Encore une. Très bien, j'en ai une autre. Ouais, t'arriveras pas à me frapper. T'arriverais pas à frapper le cul de l'éléphant, même avec une contrebasse. BDC, madame. Ouais, frappez-les, je m'en équipe. Faites de votre pire, Baron Titeless. Je n'ai pas peur de votre ange de la mort et la petite vérole. Oh, du renfort maintenant. On est cuit. Quand on est cuit, on est cuit. Ne les tente pas trop, Ernest. Tu sais ce qui va se passer. Le commandant des forces spéciales Ernest P. Warrell reçoit les hommages réservés aux héros. Merci. Le grand américain, le héros. Tu vas survivre. Une blessure superficielle, Ben. Une petite blessure sur ma peau, c'est tout. Moi, rien de très grave. Ben, merci de t'être porté à mon secours. Le baron Titeless a bien failli m'avoir. Un soldat n'abandonne jamais son vieux compagnon. Comment va ta tête de linotte? Je pense qu'elle irait beaucoup mieux si tu me laissais conduire. Ah non, pas question, mon vieux. Je t'en prie, Ben, je veux conduire. Non. Oh, tu me laisses jamais rien faire, toi. C'est comme ça depuis qu'on est enfant. Je te laisse faire des choses. Quelles choses, hein? Des choses. Ouais, d'accord, des choses. Mais tu me laisses jamais conduire. Ernest, c'est interdit. Comprends un peu. C'est à l'armée, ce véhicule. Il y a seulement les gens de l'armée qui ont le droit de le conduire. Et comme j'en fais partie, j'ai le droit de le conduire. Toi, t'en fais pas partie.
Non, je ne conduirai jamais les immenses camions mammouths, ni les jeeps, ni les chenilles, ni les tanks, les camions blindés, ni les chars. Jamais, 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 dans toute l'histoire de l'humanité. Jamais je ne pourrai le faire. T'as qu'à t'enrôler. M'enrôler? Joindre l'armée? Les membres de l'armée conduisent. Les membres de l'armée, mais oui, l'armée, l'armée, les membres de l'armée. Je t'assure, Ernest, y a rien comme la vie dans les forces armées. Défendre son pays, tu vois ce que je veux dire, hein? Ben, est-ce qu'on te permet de garder tes sous-vêtements? J'ai horreur de traîner de nouveaux sous-vêtements. Je crois que ça peut s'arranger. Tu crois pas que je sois trop vieux pour m'enrôler? Non, pas pour les réservistes, non. Tu sais, il y a des gars de ton âge qui s'inscrivent régulièrement. Comme réservistes? Ben oui, et t'aimerais ça conduire ces énormes remorques le week-end. C'est comme un camp d'été pour les vrais hommes. Eh bien, j'ai déjà eu un emploi de moniteur en faisant camp d'été. De la façon dont tu conduis au golf, tu serais bien dans l'infanterie motorisée, mon vieux. J'en sais rien. Écoute, Ernest, c'est rien, tu n'as pas à aller au combat, non, du tout. Tu vois, tu serais stationné ici, à la base. Il va rien t'arriver, compte sur moi. C'est vrai, il t'est déjà arrivé quelque chose avec moi? Non, Tu veux aller manger? Non, non, vas-y. Sergent, on est prêt, oui? Je suis venu au monde prêt, poupée. Poupée, Ernest, Ernest, poupée. Enchanté, c'est vraiment un plaisir. Bonjour. Allons-y, Ben. Les femmes adorent les types de l'armée. Tu comprends? Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre émission. Nous commençons tout de suite avec un reportage. Oh Seigneur, si au moins j'avais une amie. Bonjour, ici Cindy Swanson dans le cadre des grands reportages. Cindy Swanson. J'ai avec moi aujourd'hui un invité qui a constitué une collection vraiment très bizarre, une collection de sauterelles. C'est sûrement bien excitant. Oui, je suis invité comme conférencier au congrès des mangeurs de feuilles au Michigan. C'est une énorme responsabilité. Oh oui, c'est certain. Toute l'élite des mangeurs de feuilles. Oh, excusez-moi, monsieur Beetleman. Nous retournons au studio d'INNI pour un bulletin spécial. C'était Cindy Swanson qui vous parlait. Et voici maintenant un bulletin spécial. Pour INNI, directement de Londres, voici Frank Williams. Il semblerait qu'Omar Habib Tufuti, président à vie de son pays, l'Arisia, soit à nouveau sur le sentier de la guerre, comme nous l'indiquent ces photos prises par satellite d'un énorme missile que l'on transporte à travers l'une des provinces de l'Arisia vers le Kirghizistan. Tu vois jusqu'où on peut se rendre lorsqu'on utilise l'outil approprié? Oui, je vois, Excellence. Et puis l'aigle frissonnera quand il verra jusqu'où vous pouvez parvenir. Tu sais, je n'ai jamais eu un aigle. Quelques birdies, plusieurs parts, mais jamais un aigle. Bien, peut-être que si vous gardiez votre tête plus droite, Excellence. Et mais qui suis-je? Cette petite merveille vient du Pakistan. Elle crache lorsqu'elle vole. Oh, c'est vraiment intéressant, monsieur Beetleman. Mmh. Mais j'ai peur que nous ne devions remettre ce reportage à une autre semaine. Je suis désolée. C'est dommage qu'on t'ait coupé, Cindy. Oh, c'est pas grave, cette histoire était finie avant de commencer, alors. Merci. Tu sais, j'ai travaillé comme une bête pour cette station depuis plus d'un an. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire, mais jamais je ne ferai l'INNI avec des reportages idiots comme celui que je viens de faire. C'est vrai, il me faut une bonne histoire pour me faire remarquer. Eh bien, sois patiente, Cindy. Ton tour viendra, tu sais. Peut-être bien. Ouais, peut-être. Dans l'armée. Ouais, peut-être bien que c'est ça. Je deviendrai expert dans la conduite de ces mastodontes. Alors, messieurs, voici le GMC, le Napa Sonoma Medicino 3200. C'est le tout dernier modèle du blindé urbain. Il compte 67 cylindres, 3200 chevaux vapeur, total de passagers, 1. Il est entre autres muni d'une suspension enduroflex, d'une carburation monoflatulente. Et tous les modèles fabriqués après 1997 viennent avec le support à gobelet super grand. La solide carrosserie, une pièce, est assemblée par les mécaniciens de l'armée américaine. Les portières sont en option. Le véhicule est votre ami, il est votre compagnon, il est votre plus grand amour. Vous traiterez ce véhicule avec respect ou je vous arracherai le cœur avec une pioche. Vous m'avez tous compris. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Mais c'est ce que je croyais.
Entrer dans l'armée, c'est la meilleure décision que tu auras prise, Ernest, de toute ta... Changeons cette casquette pour celle d'un GI. Change-moi ces bleus et ces gris. Pour le vert et le brun, car dès cet instant... Tu es dans l'armée, ouais. Mais l'entraînement, parlons-en un peu, oui. Et parlons des corvées exténuantes du soldat, de la perte de l'estime de soi par les gros mots, les jurons, les insultes utilisées avec discernement et finesse. Oui, que faites-vous de ça, dit? T'es pas dans la vraie armée. T'es dans la réserve. On conduit les camions. Et on fait de la radio. On fait les parties tout le temps. Oui, on aime bien le rock'n'roll. A-R-M. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on fait partie de l'armée. P-A-P-T-I. La qui? Pourquoi pas des papetits? Comrade Platz du Moyen-Orient présent, monsieur. Je veux savoir comment un despote et un incapable comme tout fouti s'est procuré le messier de plutonium. Aucune excuse, Boyard, mais nous n'avons aucune information sur la provenance de l'engin. Avec ce missile, comrade Platz, nous pourrions faire chanter le monde entier. Tous les pays de la Terre n'auraient d'autre choix que de se soumettre à mes exigences personnelles. Nous devons avoir ce missile. Ainsi, la main merveilleuse qui transforme la vie des hommes guidera le grand guerrier américain sur le chemin de sa destinée. Cependant, dans d'autres parties du monde, le faible et l'opprimé continuent de lutter pour leur survie. Tu n'auras plus nulle part. Il n'y en a plus, je te dis. Et... Je suis Ben Ali et je connais d'étranges et dangereux cultes qui hantent cette ville. Et pour écarter leur maléfice, j'ai cette amulette du Geisha. Fiche-moi la paix, parasite. Fiche-le quand il ne revient pas. Le charme du Geisha est seulement $1. J'ai besoin pour nourrir ma sœur qui est malade. Va à la soupe des indigents. Et là, laisse-nous tranquille ou bien je te fais jeter en prison, tu entends? Oh, ces enfants, c'est pas croyable. Bon, ce que je te disais, c'est que si tu fais la demande pour obtenir le droit d'exporter tes produits, ils vont te demander un impôt supplémentaire. Hé, hey, reviens ici. Reviens, voleur. Vas-y doucement, désolé. Au revoir, c'est super. Recule-les, charge-les, verrouille-les, ensuite promène-les sur les grandes routes. Qu'est-ce que je t'avais dit? Y a rien comme l'armée, mon vieux Ernest. Ah oui, Ben. Oui, toi, t'es pas un menteur, ça c'est vrai. Tu sais, je te dois beaucoup. Vraiment, t'es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Quand tu voudras, vieux. Quand tu voudras. Quelle espèce d'idiot conduit ce camion? Je peux conduire si tu veux. Ah non, ça va aller, ça va aller. Ambassadeur, cette mission n'aura rien de facile. Et non seulement ça, colonel Garlett. Les Américains ne sont pas très enthousiastes d'être sous le commandement de l'ONU. Vous allez devoir gagner ce général américain à votre coude, je pense. Et même découvrir ce qui peut le motiver. Ce qui le motive, c'est exactement ce qui motive tous les Américains, général. La publicité. Monsieur. On ne devrait pas faire ça dehors dans un champ quelque part, non? Puis dis-moi, c'est quoi ce papier bleu, idiot? On l'utilise en arrière-plan pour des décors du genre Roma, Beach, Saigon, Bagdad. Par la magie de la composition par ordinateur, on va vous placer au milieu de l'action. C'est vrai ce que tu dis? Ça suffit, je veux les épreuves, oui, demain. Il faut que je les envoie à la presse ensuite. Général, l'ambassadeur Kitchwan et un colonel Gollett qui font partie des forces de maintien de la paix de l'ONU vont bientôt arriver. Leur rendez-vous est à 10h30. Barnes, je ne veux pas discuter avec ce pompeux, cet ampoulé, ce collet monté d'ambassadeur. La presse l'aime bien, monsieur. Ah oui? Bien, fais l'entrée. Oui, général. Salut, ambassadeur. Votre Excellence. Ils arrivent, monsieur. Comportez-vous avec, comment dirais-je, des engagements. Oui. J'en sais rien, vieille branche. Excellent. Vraiment très bon. Bonjour, général. Je suis l'ambassadeur Kitzschwan. Et voici le colonel Gullett. Bonjour, messieurs. Je vous prie de vous asseoir. Que puis-je faire pour vous? Comme vous le savez, Tufuti fait du boucan à nouveau, général. Et cette fois, il se prépare à envahir l'État souverain du Kirghizistan.
Et en plus de ça, nous sommes certains qu'il détient un missile au plutonium. Ah, Washington craint qu'il chambarde les prix du pétrole, hein? Mauvais public. Le Conseil de sécurité de l'ONU a choisi votre unité pour devenir l'équipe de soutien de la force de maintien de la paix de l'ONU sous le commandement du colonel Gullett, ici. Quoi? Équipe de soutien, mais... Vous nous envoyez au Club Med, monsieur. Mon unité est une machine à combattre et à tuer. Nous ne prenons pas l'ordre de qui que ce soit, et moins encore de la part d'un gars qui porte un béret. Êtes-vous français, vous? Burns, c'est un métier de français, tu sais que je hais les Français. Monsieur, je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. Le colonel Gullett s'occupera des tâches quotidiennes de la routine, mais pour les choses importantes, vous serez consulté. Et qui donc briefera la presse pendant notre séjour? Mais le général, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, veuillez considérer la 97e unité à votre disposition, colonel Gullett. Continuez. Allez. D'accord, Pierre, nos troupes sont vos troupes. J'informerai vos hommes à 1600 heures. Oui, excellent. Mais la machine à tuer n'est là que les week-ends seulement. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Non. Non, non. Bonne journée. Cindy Swanson, WZAB. Tu te souviens de moi, Cindy? Eh oui, hélas. J'ai ce que tu désires depuis longtemps. Burns, c'est une ligne réservée aux nouvelles et non un numéro 900. Alors, 97, par rejoindre les troupes de l'ONU, ils feront équipe au Kirifistan. Tu veux rire? C'est une unité de réserve, la 97. Ils décollent dans une semaine et c'est le général Lincoln qui conduit l'attaque. Ils ont perdu l'esprit à Washington ou quoi? Surtout, ne dis rien. Qui d'autre est au courant, Burns? Seulement toi, pour l'instant. Ma belle. Alors, qu'en crois-tu qu'on pourrait... Merci pour le scoop. Ça, tu le croiras pas, je te jure. Je l'annonce au patron. Bravo, Ernest. Merci. L'armée, c'est super. Un peu de glu de fululu de crapaud. Non, non, c'est trop collant, non, pour moi. Ça colle pendant des jours sur mes dents. Il faut savoir comment les manger, hein. C'est un art, en fait, que très peu d'hommes possèdent. Tout le monde sur le terrain des manœuvres. Il y a un gros emmerdeur puant de l'ONU qui est là. D'accord, on y va. Y a pas de quoi, allez, viens. Prenez ça comme une répétition. T'es sûr que tu ne veux pas un peu de glu de fululu de crapaud, Ben? Non, 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 je te le dis. Allez, repos. Gros plan là-dessus. Ouais. Messieurs, Dieu a une bonne pensée pour vous aujourd'hui. Parmi toutes les unités des forces armées des États-Unis, vous et vous seuls avez été choisis comme l'élite des unités de combat. Jamais dans toute l'histoire de la guerre, une aussi grande responsabilité n'aurait été mise sur les épaules d'hommes aussi braves et d'âmes aussi nobles que les vôtres. Colonel Gullett, vas-y vite fait, Pierre, les gars quittent le boulot à 5 heures. Je suis le colonel Gullett, des forces spéciales des Nations Unies. Vous serez placé directement sous mon commandement. Et vos responsabilités seront cuisiner les repas tous les jours, nettoyer les toilettes, surveiller le terrain, laver l'équipement, décharger les camions. De plus, vous ferez chacune des tâches qu'on vous dira de faire quand on vous le dira, durant toute cette mission de maintien de la paix au Kirifistan. Mais Kirifistan? Je connais rien du Kirifistan. Je peux pas y aller, je connais personne au Kirifistan. Je ne parle pas le kirifistanais. En plus de ça, mes lèvres vont peler. Soldat, avez-vous un problème? Oui. Je ramasse des balles de golf la semaine. Qu'avez-vous dans la main, soldat? On de la glu-lu-lu de crapaud, vous en voulez? Je ne veux plus voir ça! Burns. Monsieur. C'est un qui sait. C'est une nouvelle recrue, monsieur. Fais-le fouetter. Mais on ne peut faire ça qu'à Singapour. Et la boîte! Ah,
Général, quelle sorte d'armée avez-vous ici? Je ne veux pas cet imbécile sous mon commandement. Qui sont-il, celui-là? Du calme, monsieur, du calme. Ouais, quand ils reviendront du Kyrgyzstan, vous aurez du mal à les reconnaître, cette bande de... cavochards. Regardez-vous! Redressez les épaules! Rentrez le ventre! Attendez, colonel! Restez calme! Restez calme, monsieur, je vais vous tirer de là en rien de temps! Merci! Je vais me servir de ça comme levier. Ok, allons-y! Sergent, caporal Davis, les gars, tenez le bien! Donnez-moi votre bras, colonel! Vous pouvez respirer dans une minute. Barnes, on ne devrait pas aider entre eux. Je crois qu'on devrait rester en dehors de ça. Alors t'es content, Pierre? Je vous avais dit que je vous tirerais de là. Je tiens toujours mes promesses. T'inquiète pas, Ben, je vais tout leur expliquer. Le général semble être un type sans ça, je suis sûr qu'il va comprendre. Et en plus de ça, il y a personne qui peut résister à mon grand charme. Mais écoute, Ernest, une fois qu'on sera entré, tu te la fermes et tu me laisses parler, d'accord? Mais Ben... Je sais quoi dire, je connais le général, ok? Et puis n'oublie pas, hein, dans l'armée, on ne laisse jamais tomber son compagnon. Je vais t'avoir, Warren. J'ignore quand, j'ignore où, mais je t'aurai un jour. Tu sais, Ben, je crois pas que le colonel soit aussi familier que nous avec cette histoire d'aider son compagnon, ça se voit. Sergent Ben Kusky! Comment je dois me comporter? Avec une main de fer dans un groupe de velours. Oh. Rappelez-vous ce qu'on a fait à Patton. Ah, ouais. Ok. Allons-y. Soldat Ernest P. Warrell et sergent Ben Kusky présent comme vous l'avez ordonné, monsieur. Eh bien, soldat Warrell, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Eh bien, monsieur... Vous n'avez fait qu'un week-end de service militaire et vous avez failli faire rater la mission tout entière du Conseil de sécurité de l'ONU. Je peux vous expliquer, et monsieur... Et vous, sergent Ben Kusky, vous ne valez pas mieux. C'est l'image de notre unité qui est en jeu ici. Là, tout le monde va bien sûr avoir les yeux rivés sur moi. Sur nous. Je n'ai pas d'autre choix que de vous relever de vos fonctions. Ben... Qu'est-ce que je savais? Trop sévère! Barnes, je n'étais pas là, c'est jamais arrivé! J'étais en baisse des officiers tout le temps! Une ambulance! Vite, une ambulance! À la télé, ils vont montrer ce qu'il faut faire. Salut, Ben. Comment va mon soldat préféré? J'ai pensé t'apporter un peu de bouffe de la coop, mais ils sont curieux sur ce que tu peux manger ou non, alors je t'ai apporté des chips de porc, mais sans la sauce forte. Tout ça, c'est ma faute. Mais à quoi j'ai songé? Tout ce que je voulais, c'était de conduire l'équipement de l'armée, moi. Ben, tu es vraiment mon meilleur ami. Sans toi, je n'aurais plus personne au monde. Si je devais te perdre un jour, j'ai... Bien. Eh bien, je dois y aller, Ben. J'irai une petite prière pour toi, ok? Tiens, tiens le coup, compagnon. Hein. Ce truc s'est débranché. Je vais le remettre en place. Ça ressort. Ok. Il est solide là, oui.
il faudrait l'amorcer. Ok, vas-y, repousse-toi. Qu'Allah soit béni. Chers amis, voyez mon bâton spécial? Un missile au plutonium. Grâce à lui, je vais forcer les infidèles à s'agenouiller et moi, je serai le leader absolu du monde arabe. Tibi. Commandant, je tiens à vous remercier, vous personnellement. Veuillez remettre ceci au roi Sharak. Une fois encore, l'histoire a vomi une vague d'agression qui a balayé tout le pays. Et tout ce qui se trouvait sur son chemin a été écrasé sous le poids de son ambition. Très peu de choses pouvaient ralentir la marche triomphante du mal. Ben Ali, il faut s'enfuir, les tanks sont tout prêts et tout le monde dans le village est enfui. Allez, viens. Ouais. J'arrive. Alors, la bête a trompé l'aigle en dévorant les sans-défense. Et un orphelin, lui, a pleuré. Priant. Espérant. Attendant celui qui viendrait libérer son pays et lui donner un avenir. J'aurais pu te le dire qu'il n'en voudrait pas de celle-là. C'est la plus grosse affaire au monde. Les Américains s'en vont au Kirifistan et c'est une de nos unités de réserve qui ouvre la marche. Cette affaire pourrait me sortir enfin de cette station de dessous. Ah, voyons, Cindy, tu sais bien que le patron ne paiera pas un billet pour le Moyen-Orient quand l'unité de réserve va embarquer. S'embarquer? Tu l'as? Non. Merci, Danny. Avec INNI, vous êtes dans l'action. Opération Sandtrap. Le président Tufuti de l'Arésia a envahi aujourd'hui le Kirifistan, pays voisin du sien. Nos sources ont indiqué qu'au Moyen-Orient, le roi Sharak a demandé une intervention spéciale des forces de l'ONU. Le président Powell a ordonné immédiatement l'envoi des troupes. Soldats, nouez votre lacet, essayez de bien paraître. Oui, monsieur. Vous savez, colonel, pour sa propre sécurité, il ne faut jamais laisser qui que ce soit plier son parachute. Bienvenue à bord, Warren. Ah, merci. Quel film présentons sur ce vol? Ah, j'espère que ce n'est pas un autre film d'art sur les pépés. Je les trouve tous tellement assommants. J'ai deux mots pour toi, mon ami. Peloton fusillé. Tu sais, je crois qu'il commence à m'aimer. Il a utilisé les termes « mon ami ». Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'après l'opération Sandtrap, nous deux, on sera plus que des héros du désert. Des héros du désert. Légende du Soudan. Mais à quoi mesure-t-on un homme? À sa grandeur, non. À son cœur, à sa loyauté envers Dieu et son pays, à la marque de sa voiture. Oui, parlez-moi des hommes qui travaillent durant le déjeuner, bravant d'insurmontables dangers, dans le but d'aller vomir leur mort dans le visage de l'ennemi. Des hommes, oui, qui jamais ne se plaignent des brûlures du soleil, ou bien de leurs sous-vêtements qui les irritent. Vivez chaque jour en vous disant que c'est le dernier, parce qu'un beau jour, vous aurez parfaitement raison. Pas de prisonniers, pas de prisonniers, pas de prisonniers. Un communiqué de l'intercepteur. Il est temps qu'il y ait un peu de progrès. Oui, monsieur. Il est dans un avion. Хорошо. Bien. Bientôt, le FIT aura le missile au plutonium et l'opération reprise pourra commencer. Vous savez, je crois que j'ai apporté beaucoup trop de choses.
J'aurais dû en laisser... Tu retardes toute la colonne. J'aurais dû en laisser une partie avec les bagages. Hey, quelqu'un voudrait un peu de jus? Je crois que j'ai de la lotion à bronzer. Superbe, général, superbe. Maintenant, si vous voulez vous tourner un peu vers moi, monsieur, j'aimerais essayer d'avoir ce F-18 en arrière-plan. Hein? Non, ce sont les nôtres, ce sont les nôtres. Tant mieux. À présent, monsieur, si vous vouliez tourner la tête un peu vers la droite, c'est pour atténuer ce feu sauvage sur votre lèvre. C'est embrasant. J'en suis sûr. Très bien. On est prêts? Et action! À la table! Et coupez! Excellent! Ok, Lloyd. Allons déjeuner. Bien. Je connais un endroit très bien. Tu aimes le poisson? Ça s'appelle le Harry Prawn. Tu vas aimer. Attendez! Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? La marée a laissé quelque chose sur la plage. Oh, c'est un bébé méduse bleue ou un gélicticus à médusus. Elle est native des eaux tempérées de Zanzibar. Elle se nourrit principalement de plancton et autres formes. Qu'es-tu en train de faire? Salut, colonel. Ceci est un gélicticus à médusus ou un bébé méduse bleue. On la retrouve dans les eaux chaudes. Mais. Elle est encore en vie. Tu fais poireauter les troupes des forces alliées du monde pour un poisson? Un bébé méduse, c'est différent. Ou un gélecticus à méduse. J'en veux 25 soldats. Oula, 25. Eh bien, dans ce cas... Elle est par terre, idiot. Une, deux, trois, et quatre... Bien, ça suffit, la faune et la flore. Allez, en avant. Ça devrait suffire. J'espère que je pourrai rattraper les autres. Vous êtes américain? Mais, je suis venu au monde, au pays de la liberté. Vous êtes venu au Kérifistan par avant? Non, j'ai jamais été plus loin qu'à Savannah. Eh bien, il y a de bien étranges et dangereux cultes et sortilèges au Moyen-Orient. Mais je sais, j'en ai vu sur le câble. Donc vous savez qu'il faut avoir ceci, ou alors toutes sortes de malheurs s'abattront sur vous. Le pouvoir du guichoir. Fais voir ça, tu veux? J'ai le 25 balles, US. Tu le vends 50 balles? Dis donc, est-ce que j'ai le mot stupide écrit en grosses lettres sur mon visage? 60 balles. 60 balles? C'est scandaleux! Il y a la bonne fortune aussi, et sans frais additionnels. Non, tu veux dire qu'on a droit aux serpentins, aux cloches, aux sifflets, etc.? À tout, j'ai dit. Ok, 65 dollars et c'est ma dernière offre. Ok, mais c'est du vrai vol. Voyons. J'ai qu'un billet de 100 dollars, moi. Oh, attendez, je rapporte la monnaie. Bon sang, je déteste exploiter les enfants de cette façon. J'espère qu'il va bientôt revenir avec ma monnaie. Vous savez enfin, messieurs, ce qu'est le désert arabe. Il est chaud, cruel et impitoyable. Voici l'arme chimique que l'ennemi utilise. Elle est très toxique et peut faire fondre la peau d'un tyrannosaure. Dans l'éventualité d'une attaque, vous devez savoir comment utiliser votre masque. Couvrez entièrement votre visage avec le masque. D'accord. Et ajustez-le avec les sangles afin qu'il n'y ait aucune ouverture. Continuez à respirer normalement. C'est un accessoire essentiel de votre équipement militaire. Vous devez le conserver propre, exempt de poussière ou de tout autre corps étranger. Aucun manque de propreté ne sera toléré. Warrow, rentre dans le rang. Warrow, ta place est des Warrow, t'as compris? Mais à quoi tu joues, hein? Warrow, donne-moi ça. Hé, Warrow, as-tu complètement perdu la tête? Warrow, à ta place, t'entends? T'as compris, Warrow? Désobéis aux ordres.
Warhol, Warhol, on n'est plus temps de boire. Warhol, c'est la cour martiale qui t'attend. Je suis avec la presse. Attendez. D'accord, les gars. Je vous rejoins plus tard. Super, pourriez-vous. Allez-y, allez. N'arrête pas. C'est gentil, dites-donc. Est-ce que par hasard vous... Et quand la fumée s'en ira, vous aurez des voix de soprano. Et finalement, la dernière nouveauté, les mines roches. Dans ma main droite, j'ai une roche très banale. Avec celle de la gauche, vous danserez le tango. Soyez très prudents, s'il vous plaît. Ouais. Et ces mines sont très sensibles. Leur camouflage est parfait. Attention, c'est une excellente bombe qui vous transformerait en une douce brune rouge. Mmh. Donne-la-moi maintenant. Les Armstrong Gam, oui. Une patate, deux patates, papier, roche, ciseaux. La mine ! Ernest, lui ! Allez ! Général ! Monsieur Carter, Rosen ? Repos, monsieur. Coupé. Excellent. Cette prise, tu la gardes pour mes dossiers personnels, c'est vu? Hé, Ernest, où tu vas? Non, mais je vais seulement préparer mes super crêpes pour le petit déjeuner de ce matin. Je les préviens. Attendez un peu, vous autres. Non, assez. Laissez-moi. On va te montrer, voleur. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Laissez ce gamin tranquille, voyons. Vous m'avez sauvé la vie. Alors je vous dois tout. Je vais vous donner votre argent, monsieur. Merci, 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 merci. Mais petit, ça va, là, c'est fini. Oh non, il m'aurait tué sûrement. J'ai une dette, sahib. Attendez. Tenez, c'est votre argent avec des intérêts. Mais, et ton nom, c'est quoi? Ben Ali, désormais je serai votre serviteur. J'ai déjà eu un bon ami qui s'appelait Ben. Je suis un bon ami aussi. Un ami pour toujours. Eh bien, mon nom à moi, c'est Ernest. Ben. Ben est maintenant un grand ami, hein? À présent, je dois aller faire le petit déjeuner. Tu aimes les crêpes? J'adore ça. Ah, c'est drôle, je m'en doutais. Avec INMI, vous êtes sur les lieux. Opération Sandtrap. Les forces de maintien de la paix ont établi une tête de pont au nord du Kirifistan. Mais on sait que Tofuti a en sa possession cette fameuse bombe. Ce qui, à l'origine, semblait une simple mission de paix vite faite, a maintenant mis les soldats américains en péril. Ce jeu dangereux pourrait atteindre un point de non-retour. Excellence, des nouvelles dépositions du nord. Alors, Kibi, le nord du Kirifistan est tombé. Les Nations Unies en ont pris possession. L'aigle s'est perché dans vos cheveux gras. Excellent. Dis au commandant, tu veux de m'envoyer 4 de ses meilleurs hommes. Il est temps à présent d'avancer au prochain tir. Comme il vous plaira, Excellence. Bonjour, messieurs, et bienvenue à Cuisinons avec Ernesto. Ce matin, nous allons essayer de préparer ma fameuse recette de crêpes pour soldats en mission, que j'ai aussi surnommée crêpe, kaki. Alors, pour commencer, quelques œufs entiers. Parfait. Maintenant, nous ajoutons le mélange. Je crois que c'est un peu trop. C'est de la créativité, Pépé. Tu comprendras quand tu seras plus vieux. Alors, nous ajoutons de l'eau, puis nous brassons. C'est peut-être maintenant un peu clair. Ajoutons donc un peu plus de mélange pour épaissir. Je vois. Perfecto. Là, c'est le temps pour de vérifier la plaque. Ben, donne-moi la spatule. Abattu? La spatule. Ah, abidubidule. La spatule. Ah, un truc comme ça? Non. Bizarre. Nous, on appelle ça une spatule. Donne-moi ça.
Non, bonjour. Des crêpes? Mais désolé. Bonjour. Bonjour. Désolé, le plancher est sale. Je t'en donne une autre. Non, non. Et une petite aux fraises. Non, merci. Et t'en veux une aux fraises? Une autre. Dis-moi, t'as goûté à ça? C'est bon. Il manque de sirop. Bah, ben, passe-moi de sirop. Merci. Beaucoup mieux. Eh bien, Ben, que veux-tu pour ton petit déjeuner? Je crois que je vais tenter ma chance et aller quêter. Tu me rapporteras un cheeseburger. Salut, excusez-moi. C'est bon, les gars, ça va. Bonjour. Qu'est-ce qu'on perce des trous dans les tanks et autres blindés de l'armée? Excusez-moi, c'est arrivé déjà? Bon, seulement les jours où on mange des crêpes. Ce sont les œufs qui grugent la peinture, tu vois. Voudriez-vous... laisse tomber, ça va. J'en crois pas mes yeux. Désolé. Dis-moi que je suis pas la bienvenue. Bonjour. C'est Cindy Swanson, ici au Kirifistan. C'est qui? Votre amoureuse? Eh bien, pas vraiment mon amoureuse, mais on est un peu... Je veux dire, je l'ai seulement vu aux nouvelles, au Canal 3, c'est tout. Ah oui, c'est mon jour de chance. Ah oui? C'est le gâchois, je vous l'avais dit. Oh, donnez-moi vos bagages. Oh, êtes-vous un mirage? Non, madame, je suis Baptiste. C'est gentil, je suis Cindy. Je sais, oui, Cindy Swanson du Canal 3 aux États-Unis. Je suis votre plus grand fan. Et vous êtes? Soldat Ernest P. Worrell, pour vous servir, attention, Worrell. Colonel, voici Cindy Swanson. Vous l'avez vue au Canal 3. C'est une amie intime, vous savez. Colonel Bradley Gullett. Bonjour. Ça va, je m'en occupe. Ah non, monsieur, je vous assure, ça ne me dérange pas. J'ai dit que je m'en occupais, c'est clair? Oui, Cindy. Vos bagages, il s'en occupe, il est très fort. Eh bien, à plus tard, Cindy. Merci, Ernest. Ouais. Vous êtes journaliste. Mm-hmm. Restez avec moi, Miss Swanson. Si vous voulez des scoops, je suis l'homme qu'il vous faut. Soldat Norton, prenez ces bagages. Je crois que le charme du guichois n'a pas fonctionné. Et le charme de Worrell non plus. Il y a plusieurs façons de nourrir un chameau, maître. Vous savez ce que je veux dire? Tu penses que Cindy est ici pour apprendre ça? Très bien. Et n'oubliez pas, général, de bien regarder dans l'objectif de la caméra. C'est l'Amérique et le reste du monde qui vous regardent. J'ai droit à mes notes? Non, aucune note. Non, aucune note? Non, aucune note. Et ne répondez à aucune des questions du type où je suis en brosse de CBS. Moi, je déteste cette canaille. Ouais, moi aussi. Vous aimez vos médailles du vide? Affirmatif. Soyez naturel, chaleureux, amical, mais ferme. Ferme? Ferme. Général est ferme. Un général est ferme? Oui, le tigre, c'est ça. Allez-y, il est en sortie. Montrez-leur. Barnes. Oui, monsieur. On va peut-être me demander un livre. On le fera écrire par un nègre, c'est tout. Un nègre? Oui, Powell, un nègre qui écrit pour lui. Ah oui, ouais, ouais, mais vite, allez-y, Powell. Vite, il est temps. Général, s'il vous plaît, une question pour le Canal 3. Messieurs, un instant d'attention, s'il vous plaît. Il semble que Tufuti est une artillerie plus puissante que ce que nous pensions. Nous devons anticiper le contact. Nos troupes avanceront donc vers le front aujourd'hui à 0600 heures. C'est-à-dire dans 3 heures exactement. C'est tout, soldats. Faites de beaux rêves. Je croyais qu'on était là pour le ravitaillement, qu'on ne devait pas aller au combat. Au combat? N'ayez pas peur. Ernest est là.
C'est le grand guerrier américain, celui que mon père attendait. Il va tous nous protéger. C'est exact, je vais... Ben ? Mais qu'est-ce que tu fais sous le lit ? Je reste près de mon ami Ernest. Vous avez dit que les amis ne se quittaient pas. Oh, Ben, tu ne dois pas rester là. Il faut rentrer chez toi. Tes parents vont s'inquiéter. Alors, t'as compris, Ben ? Il faut rentrer à la maison. Je reste avec vous maintenant. Je n'ai plus de maison. Comment ça ? Mais tu as bien une famille. Ma mère a été tuée par les hommes de Tufuti sur la dune blanche. Et mon père est allé combattre dans la résistance. Il n'est jamais revenu. Je suis désolé, Ben. T'inquiète pas. Je suis là, tout va bien aller. Je sais ce que c'est que d'être seul. Bonne nuit, fiston. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire? J'en ai aucune idée, mais je crois que le colonel sera le premier à se jeter dans l'action. C'est bon, Ernest. Allons-y. Ernest, où allez-vous maintenant? Nous devons aller au front aider un peu les soldats. J'y vais aussi. Non, ce n'est pas un endroit pour les enfants petits. Je ne suis pas un enfant, je suis un brave guerrier aussi. Je suis désolé, Ben, mais tu vas devoir rester ici. Quoi? À présent, on n'est plus amis? Je suis désolé, Ben. Il faut y aller. On va revenir. Ils ne reviendront pas. Excellence. Oui, Kibi. Voici les hommes que vous vouliez. Il faut que je mette un visage sur cette invasion. Un visage sympathique et compatissant, qui captera l'attention des médias, surtout. Un visage américain. Dehors, dehors, dehors! Colonel Golett, où sommes-nous? Nous sommes à environ trois pas du... Oh, du ciel. Oh, Colonel Golett, voyons, concentrons-nous sur le problème, hein? J'essaie de retourner maintenant à cette base. Écoutez, je ne capitule pas devant Ursu et quand je vois quelque chose qui me plaît, je l'amènerai. Oh, c'est gentil. Dites donc, on dirait que vous connaissez la région. Vous savez peut-être où se trouve cette base. Oh, tranquille. Tais-toi. Doucement. Avec INNI au cœur de l'action. Opération Sandtrap. Je suis Frank William et nous attendons un point de presse du général Rodney Lincoln, peut-être le commandant le plus original de toutes les troupes alliées de l'opération Sandtrap. Et quelle voix aussi. Aux environs de 1800 heures aujourd'hui, les forces alliées de l'ONU commenceront le bombardement intensif des secteurs 30, 31 et 32. De même que 200 sorties préparatoires et une offensive au sol. Tape sur la carte. Ici. Annonce la couleur. Et si tout est frotté à le sens pratique d'un canard, il va ranger son gros engin sous la serviette de plage qui lui sert de bonnet et se tirer du secteur à toute vitesse comme s'il venait recevoir un lavement. Ouais, super. Y a des questions? Garrett, réveillez-vous, fumier. C'est uniquement de votre faute si on est ici. Ça alors, vous avez vu? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le président Tufuti. Tufuti? Ouais, en personne. Il est là, tout près de l'Oasis, avec ceux qui nous ont capturés. L'Oasis? Leur seule base près d'une Oasis est dans le secteur 32. Oh. Secteur 32, c'est bien. On sait maintenant où on est. Merci beaucoup. Dommage que personne d'autre ne le sache. Je suis désolé. J'ignorais que nous étions si près de leur ligne. Ouais, bien. Vous serez vraiment désolé dans une minute, parce qu'il vient de ce côté. Détachez-les. Ah, bonjour. Salam alaikum. J'espère que vous êtes contente de votre habitation et que votre séjour chez nous est des plus agréables.
Monsieur le Président. Frau Holland. Si vous voulez. Je vous prie d'excuser ces voyous. Ils ne connaissent pas la politesse, madame. Ah, un membre de la presse. Et adorable en plus. D'accord, d'accord. Message reçu. Arrête, Ernest. On a encore changé d'idée au quartier général. Je vais dans le camion des communications. Ils nous font ça, on vient d'arriver. C'est ça le service de renseignement de l'armée. Ouais. Ouais. Savez-vous où est le colonel Gullett? On ne l'a pas vu de la journée. Sûrement cette reporter qui l'occupe quelque part. Bien, peut-être qu'il faudrait aller voir ce qui se passe, je suis volontaire. Qu'est-ce qu'ils disent là, Chuck? Ils veulent qu'on fiche le camp. Les F-18 vont bombarder la région à 1800 heures. Waouh, c'est extra ça. Vous avez la lutte ici? Ce sera le combat des embaumeurs lundi soir, cette semaine. C'est vrai? Mort subite? Barbe d'acier. Bon match. Selon les renseignements que nous avons reçus, les troupes parisiennes détiendraient au moins deux otages, un colonel anglais et une femme américaine. Nous écouterons maintenant un document vidéo que nous venons à peine de recevoir d'un endroit indéterminé au Moyen-Orient. Je suis le colonel Bradley Gullett. Et regardez, c'est le colonel. Et Cindy, au moins ils sont sains et saufs. De respecter la nation souveraine du Kirghizistan. Je suis Cindy Swanson, journaliste reporter pour le canal... le canal 32. Ah, cette fille est super. C'est la meilleure reporter que le canal 3 ait jamais eue. Elle sent bon aussi, hein, ça oui. Mais elle a dit le canal 32. Non, elle est au canal 3, je la regarde tout le temps. Non, elle a dit le canal 32. Oh, mais une minute. Peut-être bien qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Canal 32. Ici Cindy Swanson pour le canal 32. Canal 32. Canal 32. Mais peut-être qu'il voulait dire secteur 32. Non, non, elle a dit canal 32. Ce qui veut dire que le mot de code est... canal. Bientôt, très bientôt viendra le libérateur. Oui. J'ai des provisions et une lampe électrique. On sera même revenu avant qu'on se rende compte de notre fugue. Non, Ernest, c'est à l'aviation de faire ça, mon vieux. Mais il faut libérer le colonel Cindy, on ne va quand même pas les laisser. Je suis désolé pour la fille, mais il n'est pas du tout sous notre responsabilité. Quant au colonel, ce n'est pas le sergent. Mais on ne peut rien faire pour eux. En route, Ernest, c'est un ordre. Je suis désolé, monsieur. Je sais que c'est de la haute trahison, c'est peut-être même très impoli. Mais un vrai soldat ne laisserait pas ces personnes là-bas. Et ironiquement, moi non plus. Alors... Ernest! Reviens, tu entends? Et il adviendra, alors, que le grand guerrier américain, sans peur, se précipitera dans le vaste désert de la mort. Et seul, tel une épée humaine... il s'enfoncera dans le cœur de la mer. Gibby, amène-moi le colonel de l'ONU. À vos ordres, monsieur le président. Avis, avis. Colonel Gullett, c'est l'heure. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? Où est-ce que vous l'emmenez? Voilà. Debout, debout. Avance. On dirait que je suis le premier. Désolé, Cindy. Venez. Nous reviendrons pour vous, Miss Swanson. Aucune urgence. Oh, colonel. Vous êtes
très bien à la télévision. Je crois que vous devriez songer à y faire carrière. J'ai tenu parole pour l'entendre, tout vous dit. Je vous ai livré la journaliste, maintenant donnez-moi mon argent. Je ne crois pas que vous soyez dans une position qui vous permette d'exiger quoi que ce soit. Tu vas mourir pour ça. Ficelle-le bien sur le missile. Nous allons l'expédier chez ses amis. Tu vas mourir pour ça. Kiwi, mon club. Le soleil du désert a décidément un effet bizarre sur le chocolat au lait. Il est parti dans le désert. C'est vrai. Il croit qu'il peut sauver le colonel et cette journaliste. De quel côté est-il allé? Je suis pressé, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai des choses à faire. S'est dirigé vers le secteur 32. J'ai essayé de l'en empêcher, mais... Secteur 32. Nous sommes sur le point de transformer ce désert en un désert plus désert encore. Qui d'autre est au courant de tout ça? Personne. Gardez bien le secret, soldat. Je m'en occupe d'ici. Bien, monsieur. Le secteur 32. Préparez-vous à attaquer. Très bien. Ça ne devrait pas être difficile. Oui, un pied, voilà. C'est facile. Une étape à la fois. Un ange des sables. Poison sur les barbelés. Un faible d'esprit pourrait s'y laisser prendre. Au moins, je n'ai pas été empoisonné. Eh oui. Dieu.
été de ma démarche agile à la ninja furtif, je n'aurais jamais pu me rendre aussi loin. J'ai l'habileté d'un poulet. La vie dans l'armée. Mon peuple! Aujourd'hui, nous célébrons la victoire sacrée que nous l'emporterons demain sur les Américains. Car demain, oui, nous transpercerons le cœur de l'aigle et toute la nation fera l'éloge d'Omar Habib Tofauti, président à vie de la Ritzia. Ouais! Tofauti, 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 tenez le coup. Tada! La cavalerie est arrivée. C'est à Warrell? Je vous en prie, appelez-moi Ernest, jeune lady. Chut, par pitié, où sont les autres soldats? Il n'y a que moi. Je suis en mission très spéciale. Attendez, cette corde est très très nouée. Hein. Je ne crois pas que vous ayez traversé le désert tout seul et vous êtes le cuisinier. Exact. Et un très bon cuisinier aussi. Ah, ça ne va pas. Je vais devoir soulever la poule un peu et vous glisserez rapidement la corde. D'accord. Ok. Où est le colonel? Il est probablement avec les autres prisonniers. Comment êtes-vous entré ici? Je suis un ninja. J'ai l'habileté d'un poulet. Ok, prête, je vais lever. Oui, okay. Glisser. Ok, glisser maintenant. C'est bien, je suis sorti. Venez, soldat Warrell. Allez, venez. Allez, dépêchez-vous. Oh, soldat Warrell, oui. Ok, très bien, on va soulever ensemble, d'accord? Non. Et peut-être bien par là. Allez! Soldat Warrell, la pole! À la pole! Soldat Warrell! Ne laissez pas s'échapper! Attrapez-les! Vous avez vraiment tout fiché en l'air! Trouvez une façon de sortir d'ici vite! Écoutez, je me suis caché un moment. Pitié, Ernest! T'attends-tu? Bouge! Allons de ce côté. Ça nous donne pas mal aux genoux. Non, vous êtes une vraie moquette, avancée. S'échappe, vous me disprenez vite. Essayons par ici. Oh, la plus fort, allez! Oh, peut-être par ici. Ok, écoutez, nous allons devoir faire face. Gardez votre tête bien haute. Oh, Ernest, espèce de lâche de boue. Oh, ça y est. Ok. Allez, courez. Allons-y. Il bouge encore. Capez plus fort. Ok, allons-y. Déployez-vous! On va trouver, ils ne peuvent pas être bien loin! Aidez-nous, pitié! Pitié, aidez-nous! Ok, oui, pitié. Aucun problème, je vous tiens de là tout de suite! Oh, merci à toi, tu es généreux. Qu'Allah soit béni. Tu nous as sauvés. Tu es sûrement le guerrier américain dont parle la prophétie. Bah, voyons, c'était rien du tout. Vous devez me confondre avec un autre guerrier américain de la prophétie. Ernest, les gars! Vite, fichons le camp! Ta gueule! De vraies balles! De vraies balles? J'y vais le premier, couvrez-moi! Warrell!
Reviens ici! Dépêchez-vous! Je connais le chemin! À vous. D'accord, venez. Venez, venez, venez. Venez, Ernest, allons-nous-en. Venez donc. Tuez-les. Qu'il n'y ait aucun prisonnier. On y est parvenu, Ernest. Oui. Ça a marché. On a réussi. Regardez, ils détiennent le colonel Golette. Il faut le libérer. Y retourner, mais ça va pas à la tête. Écoutez, vous continuez. Je retourne là-bas pour le colonel. On enverra de l'aide, c'est pas à nous deux de... Vous ne comprenez pas. Le sergent a dit que dans l'armée, il faut défendre son compagnon. Le colonel Golette est mon compagnon, même s'il est colonel. Ernest. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. Ça vous plairait, une escorte? Non, c'est trop petit. Il faudrait un Humvee, même un tank. Ah, ce genre d'escorte. Salut, les gars. Oui. Oh, non. Oui, non. Des lèvres. Il pèle sous le soleil. Ici le général Lincoln. Commencez à bombarder opération Sandtrap. Le premier oiseau à 1800 heures. Whisky Alpha Bravo. Mon indécision est finale. Coupez! Vous étiez extraordinaire, général, vraiment! Quelques clichés en noir et blanc maintenant, d'accord? Ça donnera un côté plus authentique. Ah, Barnes, je ne parais pas très bien en noir et blanc. On mettra la couleur après. Vous savez, on dit que tout homme a une balle marquée à son nom. Ouais. C'est la mienne, voyez? Ernest. J'ai pensé que tant qu'elle serait dans ma poche, personne ne pourrait me tuer avec. Oh, c'est super, Ernest. Ne leur dites pas que je l'ai, ok? Compris. Tout foutu. Vous allez avoir de gros ennuis, croyez-moi. Je suis une civile. Je suis un membre de la presse. Ouais, et moi je suis un non-combattant, vous saurez. Je suis dans la réserve. Les barbares ont osé envoyer un infidèle dans mon camp pour contrecarrer mes plans? Pour qui vous prennent-ils? Rambo? Bien, presque, oui. Prêt, soldat? En joue, monsieur. Attendez, on n'a pas droit à un dernier repas. Oui. Je mangerai bien une pizza. Hey. Pepperoni, saucisse, extra fromage. Au-dessus, le garçon. Et peut-être même des morceaux de chocolat. Soldat, prêt? En joue. J'ai droit à un dernier appel, non? Pour commander la pizza. Ils peuvent être ici en 30 minutes. On pourrait tous en manger. C'est moi qui paie, hein? Non, pas de pizza! Prêt? Mais que faites-vous du bandeau? Non, pas de bandeau! Mais quelle sorte d'exécution faites-vous ici? Pas de dernier repas, pas d'appel téléphonique, pas de bandeau? Pas de budget! Non. Et je parie qu'aucun d'entre vous n'a jamais fusillé personne. Il a blessé un homme au pied gauche l'an dernier. C'était un accident, bien sûr, monsieur le président, à vie. Et je me sens coupable depuis. Conduis-toi comme un homme! Y a-t-il d'autres demandes? Oui. Je veux m'en aller! Qu'est-ce qui se passe? En joue! Où tu vas? J'arrive, Ernest! 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 Allons! Allons, Ernest! Allons! Montez, allons-y! Allez, Ernest! Donne-moi le volant! Démarrez! Ça, c'est un job pour un type de l'armée! Vite, allons-nous-en! Vite, Ernest! Kibi, où est mon missile? Où est mon missile au plutonium? Je crois qu'ils sont partis avec, votre excellence. Qu'on amène mes tanks du désert!
forcer gaiement à tomber. Et ce sera, croyez-moi, votre heure de gloire, je vous le garantis. Barnes, crois-tu que les généraux anglais ont l'air plus distingués parce qu'ils portent des moustaches en pointe de crayon? Excusez-moi, monsieur. Le satellite a repéré un camion transportant un gros missile. Ah! Barnes, c'est toujours une joie de briser le moral des troupes ennemies. Ça me rappelle ma femme. Monsieur, le missile se dirige vers nous. Quoi? Barnes, appelle la marine tout de suite. Mobilise les hommes, sors-moi les canons. Il faut détruire ce missile avant qu'il ne parvienne jusqu'à nous. Oui, monsieur. Oh mon Dieu, Barnes! Barnes! Laisse-moi descendre, tu entends? De quel côté allons-nous? Allez vers la dune! Mais laquelle? La blanche, juste là, droit devant! Abstam, gram, une patate, deux patates! Il n'y a pas de patate! T'es sûr qu'il n'y a pas de patate? Non, non, il n'y a pas de patate du tout! Ne les laisse pas s'échapper, imbécile! Bébé! Plus vite! Plus vite, je dis! Ernest, on va s'enliser dans le sable! Non, j'ai déjà travaillé comme facteur au pôle Nord! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas censé vous battre. Tout foutu, le président a bien violé les règles, le premier. Ce truc est semi-automatique ou c'est le système de... Qu'est-ce que t'attends de dire? En couille! Donne-moi un chargeur. Tenez le coup, colonel. Attention, attention à la pente, Ernest. Cap sur le camp de base, tenez bon. Le missile au plutonium est tout près de la frontière du Kirifistan, monsieur. Il semble que notre agent ait vraiment tenu sa promesse. Bientôt, les puissances mondiales transféreront leurs comptes bancaires dans nos coffres. Non, Ernest! Ernest! Faites demi-tour et reviens! On ne peut pas passer! Vous choisissez le moment pour admirer le paysage. Des roches-mines! Oh! Nous sommes pris au piège! Non, non, pas encore. Qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais de mieux. Non, mais t'es cinglé! Aide-moi à descendre d'ici! Regarde! Nous nous rapprochons! Appuie sur le champignon, Kibi! Nous allons les avoir! Il dit qu'il était le prisonnier de Tufuti et que le missile est maintenant passé aux mains du grand guerrier américain, général. Ah, mais je croyais que c'était moi le grand guerrier. Mais vous l'êtes, oui, l'autre est simplement quelqu'un qui prétend l'être. Ah, un imposteur. Oh, c'est sans gravité. On va s'en assurer. Il n'y a pas de place dans le désert pour deux grands guerriers américains. C'est cet homme-là? C'est lui. Oh, votre excellence, je suis vraiment honoré que vous acceptiez de me voir. J'apporte de bonnes nouvelles. Tu dis qu'un Américain détient le missile au plutonium? Oh oui, il est en camion et il vous l'apporte. Oh, c'est vraiment un grand guerrier. Il y a quelqu'un avec lui? Il y a un colonel de l'ONU et une femme. Pierre! Oh, venez, venez, je vais vous parler, venez. Écoutez. Il vaut mieux annuler tout de suite le bombardement avant que ça ne fasse exploser le missile. Ah, mais pourquoi ça? Parce que nous voulons le récupérer et conserver tous les honneurs, vous voyez? Ah! Il n'a jamais vécu d'autres conflits, on dirait. Ernest! Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, Ernest! T'es vraiment cinglé! Aide-moi à descendre! Oh, Ernest! Tu vas tous nous tuer! Ok, il s'agit de rouler à vitesse égale. D'accord, en route! Allez-y! Attention, Ernest, ils arrivent! Dépêchez-vous! Super! C'est tellement plus facile sans ces golfeurs qui te bombardent avec un fer 6. Oh, voici une! Ouais! Ernest! Il est incroyable! Ernest est un grand soldat. Avance, Kibi, plus vite.
Surveillez ce coup double. Et une glace à deux boules. Les messieurs sont servis. Oh, en fou, Ernest. Mais il faut. Ernest, allez-y, faites vite. Allez, allez. Tu veux des bombes? Je vais t'en donner, moi. Sortie annulée. Reçu. Je rentre au bercail. De ce côté. Warren. Où tu vas? Arrête ce camion, hein. Attention, hein. Hey, Warren. Détachez-moi. On est enlisé. Le voilà! Il est à nous maintenant! Ernest, non! Non, revenez! Allez, tout foutu! Fais voir ce que tu peux faire! Oh, toi! Tu m'as vraiment causé beaucoup de problèmes! Mais là, je vais me débarrasser de toi! Baissez-vous, Ernest! Non! Oh non! Non! Oh, là, là, là. Non! C'est juste une rush, Excellence. Adieu, le grand guerrier américain. Excellence, vous êtes impotent. À vie. Ouais. Bravo, Ernest! Bravo! Mais quel tir! Vous avez vaincu cette brute! Qu'avez-vous lancé au juste? Bah, c'est un truc qui fait recette, si je peux dire. Est-ce que quelqu'un voudrait me détacher? Oh! Oh, désolé, oui. Colonel! Oh, toi! J'abaisse la structure hydraulique! Détache-moi! Défais les nœuds du dessous, Ben! Bien, soyez sans crainte, Colonel! J'en ai que pour une minute! C'est pas trop tôt! Et voilà. Maintenant, éloignez-vous du missile ou ce garçon ira voir Allah prématurément. Intercepteur confirme capture. Rendez-vous dans le secteur C-28. L'intercepteur demande confirmation. Confirmez le dépôt de 100 millions de dollars US dans son compte bancaire en Suisse. Envoyez une unité pour récupérer le missile. Quand il franchira les frontières du Kirifistan. À vos ordres, Boyard. Compte bancaire numéro 639736412-12. Nom de code intercepteur. Confirmé dépôt en banque. Ouais. Je ne savais pas que vous étiez un traître, Gullet. J'appelle ça les affaires, c'est tout. Éloignez-vous du missile maintenant. Écoutez, on vous laisse votre missile. Si vous libérez le garçon. Le petit vient avec moi. Libérez cet enfant, Gullet. Mais que voulez-vous faire d'un missile au plutonium? Bientôt, je vivrai dans un monde où les idiots de ton espèce seront dehors la loi. Et j'aurai la belle vie. Au revoir, Ernest. Merci pour la balade. Ah, toi. Attention, mon vieux. Désolé. Ça va faire mal, j'en suis sûr. C'est pas une noue, heureusement. Wow. Les voilà! Arrête pas de tourner, Lloyd! Arrête ici, la lumière est bonne! Sur la fille, tu me fais un gros plan, hein? Qu'avez-vous fait de mon missile, soldat? Général, il est maintenant neutralisé. Il faudrait remettre une médaille à Ernest. Ah! Ouais, je le ferai! Je le ferai! Il le mérite! La poitrine couverte de médailles, croyez-moi! Beau travail, soldat! Général, faites attention à ce que vous promettez. L'affaire Barnes, t'es viré. De quoi est-ce l'air, Lloyd? Ernest! Ernest! Alors, ça va? Ouais, t'es vraiment un héros. Bravo, mon vieux. Ben, tu...
tuer. Oh, je vais très bien. Il y a juste que je dois laisser tomber le port. Ernest, dans mon bouquin, t'es un type de l'armée. Un type de l'armée. Je suis Frank William, DNNI, Division Europe. Oh. Je présume que vous connaissez tous les détails. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que DNNI en obtienne l'exclusivité? Oh, eh bien, vous êtes à ce poste depuis combien de temps? Ben Ali! Ben Ali! Abby! Abby! Allah soit béni! C'est mon fils! Mon fils! Mon fils! Abby! Mon Abby! Fils! Abby! J'ai cru que je ne te reverrais plus. Eh bien, on dirait que le guichois apporte réellement la chance. La vraie chance, c'est que ce soit toi, le grand guerrier américain, ami Ernest. Une minute, Ben. Tu ne peux pas accaparer le grand guerrier américain pour toi tout seul. J'ai une petite affaire à régler avec lui. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, désolé. Mes lèvres pèlent dans le désert. Oh. Cindy! Cindy! Et c'est quand, Ernest? Venez chez moi, je vous ferai des crêpes. Non, ça m'a dégoûté. Sans blague, je fais les meilleures crêpes au monde. Ernest, le bon pour les lèvres, ça fait des miracles. Et il advint avec les années que Ben Ali grandit et devint un grand leader du monde arabe. Il apporta la paix sur ces territoires déchirés par la guerre. Et sur tous les édifices et les panneaux publics, on peut maintenant lire cette petite phrase à peine visible. N'abandonne jamais ton compagnon. Vous voyez ce que je veux dire.